Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église de la Madeleine. Oui, nous chanterons pour toi, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. On est là pour chanter. Chanter le Seigneur, chanter sa gloire, chanter toutes les merveilles qu'il peut faire en chacun de nous. Je suis heureux d'accueillir les amis de notre jeunesse qui se rassemblent parce que c'est le 9. Nous sommes là pour prier pour lui. Voilà, pour que le Seigneur puisse l'accompagner sur ce chemin. Et puis nous sommes là parce que nous avons envie d'écouter la parole du Seigneur. Nous avons envie de recevoir son corps. Alors nous allons préparer nos cœurs pour accueillir l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par émotion. Oui, je me réjouis. C'est pourquoi je suis à la gloire de la Vierge, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse dire qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ is Lord, he is
Que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea sept fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte la présence de ton serviteur. Mais Élisée répondit : par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur m'emporte de la terre de ce pays, autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Parole du Seigneur.
Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : Jésus, maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Et 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans cette église où il y a de si beaux conseils,
Je vais vous exhorter à jouer votre propre symphonie. Nous allons l'appeler la symphonie de la joie. Alors il faut trois instruments. L'amour, la gloire et la danse. Trois instruments. Alors maintenant, je vais vous donner la partition. Premier mouvement, il s'agit de recevoir abondamment la grâce de Dieu. Vous savez comment il faut accueillir la grâce, il faut d'abord ouvrir notre cœur, offrir notre liberté, parce que Dieu ne fera rien sans ce don de la liberté, et accueillir la grâce. Voilà, ça c'est le premier mouvement. Vous recevez abondamment la grâce de Dieu. Alors, vous allez l'aimer. Vous aimerez Dieu de plus en plus. Ça, c'est le deuxième mouvement. Être dans l'amour. Et puis, plus nous aimons le Seigneur, plus votre gloire sera grande. C'est le troisième mouvement. Celui à qui on donne peu, aime peu. Tandis que celui à qui on donne beaucoup, aime beaucoup. Il y a une progression parallèle entre la contemplation de Dieu et l'amour de Dieu. Nous le savons, l'amour ne cessera pas. La charité, elle grandira à la vue de celui qu'elle aime. Cette gloire, elle est destinée à être révélée à ceux qui aiment Dieu. La gloire, vous l'avez bien compris, c'est le fruit de l'amour. Et l'amour, c'est le fruit de la grâce. Alors je vous invite à jouer cette symphonie. Et si vous la jouez, alors vous serez tous des êtres transfigurés. Et croyez-moi, nous pouvons faire un très bon concert. Alors, ici même, mais aussi sur les marches de la Madeleine. Notre échafaudage ne sera pas grand. Mais parce que notre monde a besoin d'apôtres illuminés. Saint Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, nous montre le chemin spirituel. Il s'agit de mourir avec le Christ. Il s'agit de supporter l'épreuve et de rester fidèle. Alors mourir avec le Christ, c'est fait. Par le baptême, vous avez été plongé avec le Christ. Bon, enfin maintenant, il nous faut mourir à soi-même. Alors soyons pleins d'espérance. Si nous mourons à nous-mêmes, c'est précisément pour mieux vivre. Mieux vivre avec Dieu et avec Dieu. Plus je suis avec Dieu, plus ma vie s'épanouit. Supporter l'épreuve, tout simplement parce que le disciple du Christ est un signe de contradiction et que ce signe peut nous conduire au mystère de la croix. Mais on ne peut pas éviter le Golgotha. Enfin, être fidèle, ne pas renier le Christ. Le suivre jusqu'au bout, c'est là le chemin qui conduit à la joie. Alors, pour nous encourager ce matin, n'oubliez pas cette parole de Jésus. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors entre dans la joie de ton maître. Amen. Yeah.
soin de notre monde et de nos vies. Seigneur, sois avec nous.
De même, après le repas, il pria. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission. Vous ferez cela.
bien de notre espérance. Car par sa croix appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles du siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne. Ne regarde pas le péché, mais la foi dans ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix. Et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ensuite, cet après-midi à 16h, vous avez
dimanche musical avec un chœur américain, je ne dirai pas le nom parce que je ne connais pas l'anglais, et donc ça va me faire rire, donc ce n'est pas la peine, mais n'hésitez pas, l'entrée est libre, et il y a une libre participation. Donc à 16h, cet après-midi, lundi, il y a un autre concert à 16h, et puis n'oubliez pas la rencontre pour celles et ceux qui sont intéressés par le groupe de réflexion œcuménique ou presbytère. Voilà, je rends grâce que nous soyons si nombreux. Eh bien, ça veut dire que voilà, nous avons retrouvé, c'est peut-être la fin des vacances, enfin, je ne sais pas. Oui, il va y avoir bientôt les vacances. Mais n'hésitez pas à fidéliser. Ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait maintenant un site internet, on connaît tous, un site YouTube. Enfin bref, il y a un site. Vous pouvez voir si vous êtes à la campagne, et si vous avez internet, vous pouvez voir une messe. C'est pas ça qu'à l'heure. Je ne suis pas arrivé en tout cas à trouver le site. Mais moi je ne suis pas arrivé, mais vous y arrivez. Merci Père d'être venu nous rejoindre. Voilà, il y a le diocèse, Père, il y a le diocèse de Bourges, où il y a l'ancien évêque auxiliaire de Paris, Jérôme. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.